Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Brotato Abyssal Terror. Je suis toujours avec Chobiti, rebonjour Chobiti. Rebonjour le signe, rebonjour tout le monde. Et du coup on va se relancer hein, parce que on a vraiment beaucoup ce jeu. Je pense que je vais réussir le vagabond moi. J'ai beaucoup aimé le concept de devoir trouver des armes, pas pouvoir équiper d'armes identiques et devoir trouver des armes qui allaient bien. Pas de chance et pas de récolte par contre. Ben moi je me tâte à prendre la liche pour pouvoir débloquer le perso qui demande 42 vols de vie. Bon, oui, tu peux essayer. Comme ça on commence avec un truc un peu sympa. Ben écoute, en avant. Alors... Cognitif et lourd, il me faudrait une arme qui a deux trucs. Tant qu'à faire. Ouais, j'ai pris le vagabond. Je peux pas équiper de deux armes identiques. Ah oui. Les armes comptent pour double, donc il faut que je vise des armes qui donnent deux trucs. Je peux prendre le luth, tiens. Ça va être rigolo. On va y aller au luth. Le vagabond et son luth. Il m'a donné quoi du coup? Avance pire. Ok. Ah bah. Oui, tu... Ah non, mais j'ai joué aléatoire. C'est ça qui. Et salut Evan, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Alors, on va prendre... PPV. Ah. J'ai oublié cette bouteille, on va l'attendre. Et Roalastre, et bah écoute, nous ça va bien Evan. On est de nouveau tombé addict de Brotato. Patate. Après l'avoir bien torché à sa sortie... Là, on profite du DLC qui permet de jouer en coop. Ça, ça fait bien plaisir. Rien de ouf, je prends l'arbre. Alors, précis et médiéval. Ouais, mais c'est pas du corps à corps. Ah oui, mais le lance-pierre, il a vol de vie. Quoi, la vol de vie? C'est moi qui ai fait du vol de vie ou c'est... Je suis en train de me dire que le luth, en fait... Alors, je savais pas ce que c'était musical, mais du coup, c'est pas idéal. Parce que ça monte la chance et mon perso... à 50% de modification de chance en moins, donc c'est peut-être pas top. C'est un arbre. Ouais, je vais prendre l'arbre, ça c'est quasiment sûr, mais du coup je me tâte. Quoi les trucs 50% de récolte et de chance? L'arbalète c'est basé sur... Là, je pourrais peut-être partir en distance. Allez, je vais partir en distance, c'est tout. Je vais verrouiller ça. C'est rien. Et ça, je vais le garder pour le moment. Alors là, du coup, ça me donne 5 de chance. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est ça, j'ai que 2. Donc même les bonus passifs, ils sont diminués. Donc ouais, aucun intérêt. On va s'en débarrasser. Ouais, je pense pareil. Moi, je vais peut-être pas rester sur... Ah, ton inspire, il y a une sacrée portée. Hein. Un tir en ligne droite au bout de la map, là. Bah oui, après, ça... Mais je sais pas. La liche au lance-pierre, c'est peut-être pas... Ça fait pas rêver la liche au lance-pierre. Je te l'accorde. T'occupes de l'arbre. J'ai pas réussi. L'ingénierie, non. Alors de la récolte et de la chance, non. Donc la régénération de PV, on va prendre. Faut que je me soigne. Ah, ouais, de l'éthéré, ça me plaît déjà un peu plus en fait. Ah ouais, mais l'éthéré, ça donne de l'esquive et de l'armure. Il y a un truc qui donne de la vitesse, ou pas. Outil, ça donne de l'ingénierie. La liche avec ses tourelles. Ouais, mais il y a peut-être moyen de moyenner, je prends ça comme ça. Ah bah l'ingénierie, ça marche avec tout le monde. Hein. Tant que tu la boostes, ça fonctionne. Je me retrouve avec 10 PV max. Ok. Oh, c'est le vol de vie qu'il faut que je le mette.
Alors, l'arbalète, par contre, elle traverse pas les ennemis, on dirait, pour le moment. On va prendre de l'esquive, ça va compenser mes 5%. Alors, le shuriken, c'est de la mêlée aussi, putain. Il ne donne que de la mêlée. Non. Je vais virer mon lutte. Comme ça, ils auront pas peut-être un peu moins envie de me donner de la mêlée. Pareil, je vais me débarrasser de ça. Quoi, Camine? Salut, Contamine. J'espère que ça va. Bienvenue sur le live. Ah oui, du coup, je suis con. Faut que je me rapproche maintenant. Si j'ai plus de lance-pierre, je ne lance plus de pierre. Si, ça paraît pertinent. Moi, je suis un peu mou là avec mon arbalète. Il y a eu le DLC avec le duo sur le jeu. Ouais, il est sorti hier. Hein. Et ouais, c'est plutôt très sympa. Ouais. Et du coup, tu peux jouer jusqu'à 4 en fait. Ouais, toutes les modifications de dégâts sont réduites. Et franchement, il a plutôt bien géré le. Il a plutôt bien géré ça. En vrai, c'est. Chacun peut faire son build. Chercher les combos qui vont ensemble entre les persos. C'est franchement plutôt bien. Ça, ah bah tiens, le lance-pierre qui donne des PV. On va prendre ça. La récolte, non. Et pour l'argent, alors l'argent, c'est chacun ramasse ce qu'il ramasse. Et les caisses, du coup, elles sont partagées entre les personnes qui ramassent. Je pense que je vais le verrouiller, ça. Oui et non, parce qu'il y a quand même les modificateurs qui jouent. Alors, tout à l'heure, tu étais en dèche d'argent. Oui, après, si t'as des persos qui modifient le fonctionnement des matériaux et compagnie, oui, c'est sûr que ça change, mais ça... D'ailleurs, tu dois avoir un modificateur d'histoire, parce que je note que t'es un petit peu plus en avant que moi sur le... Non, je crois pas. J'ai un modificateur négatif parce que j'ai pris quelques trucs qui donnent pas d'XP. Mais... Ouais, tu me liches toute pourrie alors. Je ramasse des trucs peut-être plus. Et tu vois, les caisses, typiquement, là, c'est moi qui l'ai eu, et la prochaine, ça devrait être Chobiti. Il se démerde pour bouger un peu le truc. Mais j'ai cru voir sur l'écran, quand on choisit, que tu peux choisir un coop et tu peux choisir chacun pour soi, je crois. Ah oui, j'ai pas fait gaffe, tiens. C'est sur le même PC, ouais. C'est en local, par contre. Enfin, tu peux jouer en remote play, je pense. On n'a pas essayé, mais tu peux probablement jouer en remote play. Par contre, si tu joues en remote play... Il faut du coup que tu... Enfin, faut que le PC qui héberge ait un peu de patate et une bonne connexion. Enfin, c'est une supposition, mais c'est pas vraiment le genre de jeu où tu peux te permettre de d'avoir des latences, quoi. Donc en local, c'est pas mal quand même pour ça. Tac. Ouais, normalement, il y a le multi en remote play. Ouais, ouais, bah du coup, c'est ce que je disais, donc je pense que ça répondait à la question. Oui. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à expliciter. Hop là. Ah, elle est suffisamment prête pour les taper sans trop mourir. Bah, eux, faut vraiment les fleurer sur les côtés, quoi. Ah ouais, c'est chaud. Après, là, on est encore sur l'ancienne map. Sachant qu'il y a la nouvelle. On l'a fait un peu ce matin, mais elle est plus dure. Ouais, il y a une map complète avec des nouveaux monstres, etc. Alors, sachant que le coop ne fait pas partie du DLC. Hein. Le coop, ça fait partie c'est la mise à jour gratuite.
Là, j'ai le jeu, je peux jouer avec vous de chez moi avec mon jeu. Je pense pas, non, parce que... Quand on aura terminé la partie, si tu veux, je te montrerai, mais en gros, t'arrives sur un écran où t'as 4 slots, et puis chacun doit appuyer sur le bouton de sa manette pour jouer, quoi, tu vois, pour rejoindre la partie. C'est l'armure, ouais, c'est pas ouf. Prenne de l'air. Et cela dit, en activant le... Ouais, si, on va le prendre quand même, parce que du coup, là, on va passer direct au niveau 4. Ça booste quand même pas mal l'armure. Et non, il y a Lucie, Chopiti a une manette, et moi, je suis au clavier. Ouais, déjà de l'arme à feu. Essayer de viser un autre bonus. Sans le vol de vie, Ah, non. bah ouais, non, si tu vises le vol de vie, là, faut focus un 40%. Là. Ouais. Du coup, Aminou, le plus simple, probablement, même s'il y a certainement moyen de bidouiller, c'est trois manettes et un clavier si tu veux jouer vraiment à 4. 4 manettes éventuellement. Ça reste classique, hein. Elle est suffisamment à côté de là pour... Le tapis, je crois. Pour le taper, oh là là! Ah bah là, c'est toi qui as la caisse, par exemple. Merci de m'avoir donné la caisse! Mais de rien. Tu peux bugger, quoi! Bah oui, il crache pas dessus. Peux pas me donner des dents un peu plus mieux? Et si un des deux meurt, Amine, la partie continue. Si l'autre arrive à survivre à la vague, tu reviens à la vie du coup. Se passe sur mes PV, faut que je les max les PV aussi. Ah, la baguette qui donne de l'élémentaire. Ouais. En dégâts élémentaires pour le moment, moins 20. Va faire de la brûlure. Ouais. Ouais, bon, bouffe. Franchement, beau. Faut que je vise les objets qui donnent deux bonus puisque je peux les maxer. Ah, moi j'ai des ailes. Le... Trop fort avec mes ailes. Bon courage pour ton après-midi, Aminou. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Faut les donner, Lex. Une urbaine de ta part. Non, gros tas. Ouais, bah, j'ai essayé de m'en enfuir. On fait pour les trucs. Oui, bah je flirte avec. En essayant de pas crever et de maxer mon vol de vie parce que ça marche pas. Un petit cadeau là. Ouais, j'en vois, l'attendre, je vais l'attendre. Oh! Je vais pas réussir à me finir. Moi non plus. De la chance! Tronçonneuse! Ah, c'est bien ça. Ah, oh, ouais! En plus, elle est outil. Ah, je sais pas, ça donne des PV max, c'est pas mal. De toute façon, j'ai plus de thunes. Ah ouais, Chocho, elle a une tronçonneuse. Pas très bien les arbres, par contre, ma tronçonneuse.
Ah bah là, c'est un gros délai de rechargement régulièrement là. Ah, on commence à avoir du maudit. L'esquive. Les dégâts à distance. Je t'en doute. Bon, mais les dégâts en mêlée, ça serait pas dégueu pour toi. Non, tous mes modificateurs de dégâts sont réduits de 100. Ah oui, c'est vrai. Ok. En effet, non. Du coup. T'es sous chance. Pas crier comme ça. Oui. Ça enfin c'est bien ça du coup non et là primitif et lourd alors j'ai déjà du primitif avec quoi lance-pierre ouais lance-pierre je le virerais certainement maintenant ça c'est pas mal par contre ça donne de l'ingénierie mais j'ai toujours réussi à avoir aucune tourelle ouais oh bah après ça booste tes tournevis quoi. C'est parti. Oh la vague 10. J'avais pas fait gaffe, j'ai gagné les ailes de papillon du coup. C'est nul. Non, mais. Eh oui. Mais du coup, on est deux à avoir des ailes de papillon. Alliage. Ah oui, on prend. Sinon, l'armure, oui. Ah, une tourelle. Bien, ça on va prendre. De la vitesse de l'ingénierie. Ça, c'est presque tentant. Ça, c'est bien ça. Rien que parce que quand je prends des dégâts et que je me soigne, quand je me soigne, et combien là de vol de vie 21. Je pense de régène. Ouais, je veux. Oh, oh bah, ah bah ça me sert à rien mais... ça te sert à rien mais il est pas mal j'avoue. Verrouiller ces deux là. En plus ça serait cool. Les gros tas là avec leur... avec leur belle armure. Hey. Ah bah t'as fini par avoir une tourelle. Oui j'ai eu envie d'en avoir une tourelle là. Donc, il faut un peu de soupe. Tu crames d'aller vers ta tourelle. Je sais pas où elle est. Ah oui, elle est. Hop. C'est pas mal ça. Oh. Bien.
ça. Ensuite, on va prendre ça. Ah, ça donne des PV. Oui, c'est pas bon. Je vais pouvoir virer ça. Après, ça, c'est... Ouais, c'est ça. Ah ouais, prenons ça pour aller avec l'autre. C'est complètement... Genre, je commence avec les vagues avec moins 50% de PV, et en plus... En plus, tu prends des dégâts. Bah, c'est vrai que c'est pas mal, après, vu que tu fais des dégâts quand tu te soignes. C'est très fort, du coup. Et pour l'instant, je suis à 21 de vol de vie. Hmm. Déjà remonté. Non, je l'ai pas pris encore. Ah, tu l'as pas pris. J'avais pas la thune là. Pour le prochain coup. Bon, on nettoie la map. Hein. On sort bien, je trouve. Alors que tu vois, je râlais la dernière fois que j'avais pas eu d'armes supplémentaires. Rien, même sans armes supplémentaires, on s'en sort bien cette vague pour l'instant. Ça fait le taf. Oh là là, Hermès, qu'est-ce que c'est que ce cri là? On trinque au signe. Ah, on trinque. Pour Loévan. Bon, régène ou ingénierie? Allez, Hermès. 15 de régène. Régène. 21 d'ingénierie. Oh, 21, c'est pas mal. Hein. Oui, je peux peut-être prendre la régène. Là, tu vas perdre un peu de PV a priori. Par contre, il me donne vraiment que des armes qui me plaisent pas là. Hein. Ah bah non, je prends pas ça. Hein. Vous commencez la prochaine vague avec un PV. Ah non, bah non. C'est... Alors que je viens de prendre la tomate. Bah, même sans ça, t'as le truc qui te fait un dégât, donc si ça prend pas dans le bon sens, t'es morte quoi. Bah oui. Bonne dose de PV, ça c'est cool. Ah, ça y est, j'ai trouvé toute ma vie. Brûlez tous! Alors là, c'est l'heure des chargeurs tanky. Ah oui, tu voles de la vie si tu tapes, hein, y a pas de miracle. Hein. Oh, des PV. Bébé extraterrestre. Bah vas-y, prends ce que tu veux. Je veux. Oh, chouette, l'hameçon. Là, on en est comment? Vol de vie, régénération de PV, ouais. Bah, je vais prendre la petite tour et je vais verrouiller la souris. Eh, la chance, ça joue, hein. Ouais, on voit que je peux pas en prendre. Hein. Je commence à être un petit peu tendu niveau objet pour Ave. Faire avec.
mais j'ai toujours pas... J'ai plein d'objets sympas, mais tu vois, mes armes, elles sont... level tout moisi. C'est surtout que vu que tu peux pas prendre d'amélioration, elle reste assez faible, quoi. Mais quelques tireurs là. Je peux prendre une amélioration. Bah pas de dégâts du coup. Oui, pas de dégâts, oui. Mais déjà qu'elles sont level 0, enfin grade 1 ou 2. Ça. J'ai même pas monté le niveau, Yannadak. On va prendre vitesse. Ouais, j'ai du gris et... Bon, j'en ai une bien, mais... souris, elle a été malédictionnée. Ah, la souris maudite. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, du coup, on va virer toi. Mais ça n'a pas augmenté le vol de vie, c'est nul. Donc, toi, voilà, petite déchiqueteuse. Toi, est-ce que je te prends... Après, si j'ai déjà médiéval, ah, il manque combien? Ah, il manque encore 9. Ah, ça serait pas mal des petits ciseaux là. Il va me falloir. Allez, faut que je trouve 9 de vol de vie. Ça, hop. Brûlez tous. Moi je les consomme. Mais du coup c'est quand même vachement plus classe, hein, une liche à la tronçonneuse. Avec un lance-pierre. Ouais. C'est-à-dire que la liche au lance-pierre, ça peut se discuter, je suis d'accord. Perdu pas de cadeau, c'est vrai. Cadeau, donc peut-être qu'on l'a ramassé. Ah, où je suis? Ah, je suis mort. Mais ça zoome beaucoup sur moi. 10. Je vais multiplier les tireurs parce que je peux plus m'arrêter quand les enfants peuvent s'arrêter. Alors, l'XP du coup. Je ne me suis pas vu mourir. Ah, oh, chouette, du vol de vie. Chouette, du vol de vie. Parfait. Oh, bah, les PV max. Alors on recycle ça, on prend ça. On va prendre le médical. Alors qu'est-ce qu'on va enlever? Le médical est précis. Ça, ça. Voilà. Là on a primitif lourd, élémentaire lourd, arme à feu explosif, médiéval contendant et médical précis. Pas mal. Du coup, je suis à 36 de vol de vie. Allez, on va y arriver au 40, hein. On va y arriver. Ah bah oui, c'était à 36, c'est moyen. Plus que je meurs pas. Pour gagner des niveaux. Ouais, si tu t'arrêtes sur les détails, forcément. Laisse l'arbre. Ça paraît en masse le petit saligo. Gros poc d'apparition. Hein. Secondes, 2 secondes, 1 seconde, ça passe. Nombre de gènes de PV, c'est bon. 10
fait, ça vaut pas le coup, ça. On va commencer une clip là-dedans maintenant. Bon, si t'as de l'ingénieur, il y a rien que la tourelle qu'elle pose, elle peut faire plaisir. Peut-être qu'avec le miroir, tu peux pouvoir décliquer un truc. Les gros rouges, crevés. Ouais. Je sais pas où je suis. Je suis perdu. Je suis en bas. On est un peu trop dans le tas. Je comprends. Il y a des moments où c'est un petit peu le bordel, surtout avec ceux qui te rattrapent là. Ah bah je suis morte. Ça t'a fait peur. Qu'est-ce qui t'a fait peur, Loévan, quand on est mort? Ouais, des bois, des champs de critiques. Le caméléon bouffe. Ah, ça, on n'a pas de lame. Le bruit de Chobiti. Qu'est-ce que t'as fait comme bruit, Chobiti? Je sais pas, moi, ce que j'ai fait comme bruit. Tu fais des bruits qui font peur aux viewers, quoi. Bravo. Alors là, je pourrais virer primitif et lourd, ouais. Alimentaire et lourd, arme à feu explosif. En vrai, je vire ça. J'ai pris par accident. De quoi, le nœud? Oui, le miroir. Ah. Et du coup, t'as dupliqué quoi? Bah, je vais dupliquer ce que je prendrai la prochaine fois. Ah oui. Bah du coup, tu vas en demi, parce que c'est un truc de... de vol de vie. Ah, le moi. Ah oui, le moi de Chobiti, c'est vrai qu'il peut surprendre. Ça fait chier, faudrait que je vire le fusil à double canon, mais c'est le rouge, que c'est le seul rouge, quoi. Donc je pense que je ne vais pas le faire. Bah, je... potion de régénération. Je crois que je ne fais rien. J'ai randomisé tout ce que je pouvais. Il n'y a rien qui m'intéresse. Bah, tant pis, hein. Une fois, tu y réfléchiras. Mais non, c'est ça, double-cliquer. Bah oui, c'est à double-cliquer, ça veut dire que ça double-clique forcément sur le truc de la case où t'étais. Mais non, ça rebouge en fait, j'ai pris le truc d'en dessous, et... c'est trop violent, je suis morte! Déjà? Bah oui! Attends... j'ai pas compris! Bon, y'a toujours tes tourelles pour m'aider. Il faut cramer quelques tireurs là. J'ai vu quoi. 20. Faut pas qu'ils vont faire des tireurs là. 10. Ouais, je peux pas le virer mon fusil à pompe, c'est lui qui fait tout le dégât quoi. 5. T'as même une caisse en cadeau. Ah non, mais là je sais pas. Il se moque de moi en fait, hein, c'est tout. Il se moque de toi carrément. Bah non, mais. Tiens, les vols de vie. Tu dois pas être loin là. Ah voilà, là, peut-être du coup. Alors là, on a médical et précis. Ouais, le 25% d'explosion en vrai. Hein. Bah voilà, un coupon. Hop. Mon coupon, il est doublé. C'est pas si mal. Oui, c'est pas si mal, ouais. Je peux pas le prendre, mais... Ah
Ah oui, c'est même le doubler au dernier tour. Ah ouais. Bah tu verras. C'est peut-être pas utile, effectivement. Bah, déverrouille et puis vois si essaye de jouer sur le fait que tu trouves un truc à vol de vie. Hein. Ouais, mais j'ai quand même pas de thune. Tu vas pas le prendre, déverrouille-le avant de randomiser. Pas si mal, mais c'est pas ce que je veux. Bah non, parce que surtout ça donne de la vitesse, donc... Oui, mais ça donne des PV max. Ouais, mais tu vas avoir moins 16 de régénération de PV. Ah oui. C'est peut-être pas bah, idéal, quoi. Non, du coup, je sais pas. Non, mais de toute façon, j'ai plus de thunes, donc... Non, bah tu gardes le nœud pour la fin, puis bah si on n'arrive pas à faire les 40, on n'arrive pas à faire les 40, c'est tout. Hein. C'est pas grave. Vas-y, doucement. Et de survivre, déjà. C'est pas une zone hyper drôle. Pas se près des tourelles. Voilà, voilà, c'est pour tes copies. Hop, un peu plus loin. Il y a un chemin. Je reviens là. Non, non, pas. Esquive les gros machins, va prendre un fruit. On va prendre un autre fruit. Je suis morte. C'est pour ça qu'il rush touche vers moi d'un coup là. Ouais. Le nœud. Ah c'est chiant de l'avoir maintenant. Est-ce que je fais vaut le coup? Ouais bah j'améliorerai pas d'arme, tant pis. Est-ce que le randomise pour essayer d'avoir le... Les sous. Ah la chance c'est bien aussi. Voilà, la chance au dernier niveau. Allez, un dernier. Non. Oui, t'as pas à choisir. Ah, je pourrais prendre ça. Mmh. T'es à la place de... Regarde, c'est trop cool. Quoi? T'as réguisé. Ah oui, bien vu. Ah non, je peux plus recycler non plus. Je peux pas améliorer, mais je peux pas recycler. Bon, bah tant pis. Avec. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah on va être un petit peu mou en dégâts, mais il y a moyen qu'on puisse passer. Il va être une plaisir, on va quand même essayer de voir si on peut avoir des trucs. Ça bof, ça bof. Ça, admettons. Ah, est-ce que je prends le vol de vie ou est-ce que je prends le nœud? Bah le nœud maudit, il est pas mal, hein. Tu feras plus rien, c'est du pur bonus. Ouais. Alors, 8 PV max, 3 régénération de PV, ou 3 d'armure et 5 PV max. Ah non, j'ai pas assez de sous. Hop. Alors, le boss, c'est celui-là. C'est celui qui fonce et qui fait des mèches. Reste concentré. Soin. Top par derrière. Ah, oh, je suis morte. Putain. 60. Un peu de DPS au corneau là. 50. Oui. Et on a trouvé le médical à droite qui est un peu. 40. Un fruit déjà. Un peu dans tous les sens. 30. J'ai quand même un assez bon sustain, ça va. 20. Aïe. Bien, des fruits, des fruits, des fruits. Yes. 15. 10. Il n'y aura sans doute pas. 5. Génial!
Et du coup, par contre, ça compte que comme moi j'ai gagné. Bah ouais, parce que moi j'ai pas gagné. On a quand même débloqué le vampire. 2% de dégâts pour chaque 1% de santé manquante. 1% de vol de vie pour chaque 3% de santé manquante. Et 1 d'armure pour chaque 5% de santé manquante. Ah, et tu peux pas booster tes PV facilement en plus. Moins 100 de régénération de PV. Ah ouais. Moins 100 PV récupérés en ramassant des consommables. Ah oui, donc t'es vraiment obligé de te faire que du vol de vie, quoi. Et on a débloqué la gelée, plus 100 PV max pour charme différente que vous avez. Ouais. Donc, c'est pas ouf, hein. Franchement, par rapport à certains objets, c'est pas ouf. Bon, bah c'est passé. Oui. Bon, il faut quand même 40 minutes pour un run, hein. Du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je prends un petit coup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, bye bye.